en Suède avec Marine. Donc là, on s'est arrêté sur Jönköping. Donc sur le voyage, on est passé par l'Allemagne, le Danemark. Et au Danemark, elle nous a fait un petit message d'alerte comme quoi on n'avait plus de liquide d'échappement diesel. Donc on est passé ici chez un garage où ils font plusieurs marques de voitures, notamment Land Rover, Mercedes, la Total. Et ils ont été hyper sympas, ils nous ont filé les produits. Et en fait, c'est vraiment pas compliqué à changer comme vous avez pu le voir. Donc on continue notre aventure vers Tallinn. Là, on va remonter sur Stockholm et après, on est parti sur Tallinn. On a un beau voyage en bateau à faire. On va avoir 15 heures, donc c'est parti, on est go. Allez, on se retrouve après, tout de suite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, on est en Estonie. Alors ça fait deux jours qu'on voyage avec Marine. On est passé par le Danemark et ensuite on est parti sur la Suède. On a traversé toute la Suède, j'avais envie de lui montrer Jönköping justement, là où on avait fait notre premier vlog tri, donc où j'avais pu suivre Oli et Nikki sur le demi de Jönköping. Donc j'avais vraiment envie de passer par là et de lui montrer. Donc aujourd'hui, c'est avec la petite Range Rover que vous avez vu dans nos stories avec laquelle on est parti. Donc c'est la voiture de Nikki qui nous l'a prêté bien gentiment, histoire qu'on soit vraiment hyper confort. Aujourd'hui on est mercredi, quelques jours avant la course, le full Ironman d'Estonie. Nikki et Oli sont partis rouler tranquille et donc ils ont fait 60 km, donc la grosse première partie de book ici en Estonie. Et donc moi je me suis un petit peu amusé avec le drone. On se retrouve un peu plus tard dans la journée, histoire que je vous montre quelques belles images de Tallinn, la ville où on réside. On est dans un super bel hôtel. Bon allez, à tout de suite. Arrivé sur le parcours, sur la fin du parcours Ironman et donc sur le lieu où on va reprendre les inscriptions. Alors voilà. Et Oli viennent de récupérer leur dossard et leur sac évidemment Ironman avec le bracelet et tout ça. Et maintenant nous allons aller visiter un tout petit peu la ville de Tallinn. On va aller se promener, c'est parti. Tallinn, c'est fait.